transfert à Manhattan, ouvrir. Ah mais non, on peut ouvrir en plus. Et puis sur ce, salut gens, on est ici pour la suite de The Division, ici le dimanche. Et donc, ça se présente plutôt bien. Par contre, on a que 2 sur 3 points de vie, et je sais pas si ça vaut le coup, parce qu'on a juste encore un truc médical, donc je pense que pour l'instant, on va l'économiser s'il en faut absolument. Pour l'instant, on va déjà prendre cette direction-là. Ok. Bon, ça se voit que une fois c'était une belle ville, mais maintenant. Par là. Il y a un bar derrière cet immeuble. Ils servent les meilleurs cocktails de Manhattan. Si on reprend la ville, je vous promets que je vous paie un verre. Enfin, quand? Quand on aura repris la ville. Ah, le voilà. C'est pas pour tout de suite, je pense. Le reste de l'équipe devrait être dans cet hélico. J'arrive pas à croire que ça arrive enfin. On y va. Non. Non, il y avait le reste de l'équipe en plus dedans. On aurait dit un zombie, Phalo. Ok. Bon, il y avait pas mal d'écrans noirs. Mais donc, on vient d'échapper à la mort, en fait. Massif. D'accord, donc maintenant, le jeu commence réellement. Pas à croire que ça arrive enfin. Reflection. Mission accomplie. Oula, mais on est un peu dans le... Dans le mal, là, non? Activé. C'est pas maintenant. J'ai besoin de vous. Bon, ça va. Vous allez vous en tirer. Je crois même que vous êtes en meilleur état que moi. Et merde. Le commandant a pas survécu à l'explosion. Oh non. Nous, on a une mission et on l'accomplira coûte que coûte. On arrive dans une minute. Vous devriez voir le point d'atterrissage sur ma droite. Elle a carrément perdu un œil, quoi. J'en sais déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Il n'y a aucune autre solution. JTF 6-8 à tour. Hudson en visuel. Ouais. J'ai deux agents de la division à bord. L'explosion, c'était leur hélico. Ok, prêt pour l'atterrissage. JTF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance. J'ai pas trop le choix. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. T'inquiète pas. Du Hudson. Je
sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici. Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre. Qui commande les opérations ici? Le capitaine Benitez, il dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue. Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors bonne chance, vous allez en avoir besoin. Super, ça motive. Par contre, Phaelo, effectivement, elle est bien motivée, quoi. Alors elle... elle déconne pas. Elle veut accomplir... À toi, l'attendant. Devriez le trouver juste de l'autre côté. Amenez-moi un brancard au bout du quai. Ok. Elle veut accomplir sa mission, en tous les cas. Ok, donc là, ils viennent pour choper Phaelo, je pense. Ok, et nous, on y va. Du coup, on est de nouveau en pleine forme. Et donc là, on va découvrir la particularité de The Division, si j'ai bien compris, parce que là, on va rentrer dans cette zone de guerre, justement. On va voir. Voilà. Putain, c'est grand. Hein. Merci. Ok. Marchand découvert. Donc là en fait d'accord, donc ça c'est la Dark Zone. Donc ça c'est justement cette zone de guerre. Et donc là c'est un peu plus tranquille ici. Mais on va tout de suite découvrir un peu plus. Avant que je dise des conneries. Marchand de matériel. Bah écoute, on va en parler. Regarde un peu tout ce que j'ai là. Ouais, masque de sûreté. Veste de garde. Ok. Bon, pour l'instant, je sais pas. Sans les gens, New York n'est plus New York. C'est pas mal. Surtout niveau santé, le premier, il est pas mal. Mais est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte en fait? J'ai aucune idée combien ça coûte. Mais on va l'acheter. D'accord, c'était bien cher. On a plus que 121. Bon, on n'avait pas... Ah, mais non, j'ai... Ah, d'accord, ok. Je vois où se trouve le prix. Parce que maintenant, tout est en rouge, à part celui-là. Holster utilitaire, ça, on peut l'acheter encore. Mais ça, pour l'instant, je pense qu'on n'en a pas besoin. Ok, donc... J'ai plus de sac plastique, désolé. T'inquiète pas. Sans les gens, New York... Ok, donc là, ça c'est fait. Ça c'est des gens donc en ligne, parce que oui, on est non-stop en ligne, ça c'est très bien. C'est super. Toi, ça va, tu squattes? Il a l'air agressif, ce mec-là. Bon. Et je trouve que nous, on a l'air très gentil. Le mec, mais carrément, on dirait limite un mec qui part en vacances et tout. Mais bon, c'est ça qui est bon. C'est pour faire semblant. Et en vrai, on gère tout. J'espère. M4 de la police. Donc ça, c'est le masque. Donc ça, on pourrait éventuellement s'en occuper, non? Allez, ça, on va le mettre. Sac à dos. Gants. Allez, on va mettre les gants aussi. Ça c'est bon. Et du coup, niveau... On va prendre M4 de la police, c'est bien ça, non? Ok, c'est bon, c'est déjà fait. Ok, donc ça c'est fait, et maintenant ça c'est quoi en fait? C'est une carte? Pas exactement qu'est-ce que c'est, mais il y a eu un chargement. C'est bizarre. Pour regarder une carte, il y a un chargement. Ok, bref. On va donc aller vers là, je pense. Je pense que c'est la bonne direction. Voilà. On va se diriger vers là-bas. Donc là, où est-ce qu'on se trouve exactement sur la carte? Ici, ok, et puis l'objectif est donc
ici. Il y a plusieurs ennemis qui s'approchent de notre position. On est bloqué. Il est où notre backup? J'ai personne à vous envoyer. J'ai que des blessés et on commence à avoir des déserteurs. Personne peut venir. Si, si, nous on est présents, on est là. On va venir. J'arrive, les gars. Je pense que c'est ça la direction, j'espère. Pourquoi le sol est pris ici? C'est bizarre. J'étais jamais à New York, mais je pense que pour un mec qui habite à New York, ça doit être très très bizarre de voir New York comme ça. Parce que même déjà, disons dans les films et tout, on voit que New York, c'est pas censé de ressembler à ça. Bon, d'ailleurs, aucune ville est censée de ressembler à ça, parce que disons, sinon c'est très inquiétant. Monsieur, t'inquiète. Pourquoi il me regarde comme ça? Donner une boîte de conserve. Ouais, bah, tiens. Je pourrai jamais vous remercier. Faites gaffe à ce que vous faites. Calmez-vous, je suis pas votre ennemi. Mais attends, je viens de donner une boîte de réserve et tu as peur de moi. T'es sérieux, toi? C'est du gros n'importe quoi. Je voulais faire le mec sympa et puis là, d'un coup. J'ai eu 400 points pour je sais pas quoi. C'est super bien. Donc là, j'ai l'impression qu'on est toujours sur la bonne trajectoire, j'espère en tout cas, parce que sinon. Voilà. Et pour l'instant, on découvre un peu en même temps. Je crois que on peut aussi faire des trajets rapides. Je sais pas exactement, mais je pense bien. Mais pour l'instant. Je vais éviter de le faire parce qu'on a encore plein de choses à découvrir et puis du coup, ça serait con de faire ça. Centrale, ici Phaylo, agent de la division habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération Réponse Phase 2. Si vous m'entendez, on est attaqué. Il nous faut des renforts ici, nous envoyez... Envoyez-nous tout ce que vous pouvez. Hey, y a quelqu'un au moins? Ça a l'air de bien bastonner. Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider. Terminé. Ouais, mais on va où là en fait? Parce que là, j'ai pas totalement compris le truc. D'accord, ça tire. Ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Je pense que ça doit être ici quelque part. Et ça a l'air de bien chauffer. Unité 43, les renforts arrivent. Un groupe d'agents de la division se dirige vers votre position. C'est pas trop tôt, putain. Bah c'est bon, on arrive. On donc ça c'est nos gars, ça? Non, 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 absolument pas. C'est pas nos gars. Ok. On va se mettre là-bas. On va aller un peu plus précis là. La M4, mais par contre... Je sais pas si elle est mieux, mais on verra. On va se mettre là-bas. Là j'ai pris cher par contre avec lui. C'est un mec. Ok, non, pour l'instant on va se cacher. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Ok. Ma vie elle remonte un peu. Aïe.
Voilà. Un là-bas. Central, la situation est sous contrôle. Voici mon rapport officiel. Les gars de la division ont sauvé nos fesses. Merci pour le rapport, équipe Bravo. Heureux que vous soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Maintenant, on va reconstruire la base. Allez, jetez un œil. J'ai réussi à trouver un moyen de transport et je me dirige vers votre position. Ensemble, on va y arriver. Okay. Donc pour l'instant, on a encore pas mal de place dans nos sacs à dos. Donc pour l'instant, je prends tout. Normalement, il faudra faire un tri et puis ne plus prendre tout. Mais ça, on verra un peu plus tard. Ok, donc ça, c'est fait. Ça, c'est réussi. Même si on a eu chaud, normalement. Mais ça passe. Je sais absolument pas comment je veux y aller. Les gars, quelqu'un pourrait me dire le chemin, s'il vous plaît. Je ne connais pas trop ici. Ah bah, c'est là, en fait. Il y a une grande porte ouverte, mais j'ai carrément pas vu. Ok. Système de ventilation et de purification activé. Niveau de contamination en S. D'accord. Il faut que notre base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros. Et ah ouais. Des médecins par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden. Mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale. Sans elle, par contre... On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez. Ramenez-le, il nous le faut pour mettre en place le département sécurité. Et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Ouais, c'est pas évident. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignements. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Ouais. Isaac peut synchroniser la progression de chacune des ailes de la base. De manière à ce qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Plus cette base sera stable, mieux le reste de la ville s'en portera. Ok, donc on va... L'aile de sécurité a besoin de travaux, mais surtout du capitaine Benitez. Toute la JTF l'adore. Il peut les mobiliser et nous aider à obtenir les renseignements et les armes nécessaires pour accomplir notre mission. On va démarrer. D'accord. Ok, donc je vois que ça pourrait nous faire du boulot, là, tout ça. Parce que pour reconstruire tout ça... déjà là, je trouve que c'est bien le bordel, ici. Ok, donc là, il y a un marchand, très bien. Pour l'instant, l'aile médicale se fera voir. Mais une fois que la virologiste sera là... On pourra monter une équipe, enquêter sur les origines du virus et obtenir plus de Ouais, enfin, il faut aussi ranger. Pour les civils, mais pour nous aussi. Faudrait une femme de ménage aussi, en passant, parce que là... Disons là, voilà, c'est un peu chaud. Il faut monter à l'étage, non? Comment on monte à l'étage, les gars? Viens, je suis sûr que ça t'intéresse. Qui ça? Qui est-ce qui me parle? Poste de fabrication, c'est quoi ça? D'accord. Donc là, on peut améliorer des armes, on dirait. Mais pour l'instant, c'est pas encore pour nous. On va revenir plus tard. C'est toi qui m'as parlé avant? Salut. Salut. Alors, comme ça, vous êtes un agent de la division, hein? Oh, super. Bon, essayez de pas trop faire attention au carnage qui nous entoure. Voilà. Ou au fait que tous ceux qui ont essayé de faire la même chose que vous ont échoué et sont morts dans d'atroces souffrances. Ça les a pas aidés de bénéficier de plus de soutien que vous. Le destin frappe au hasard, il est cruel, on peut rien y faire. Alors autant rester positif. Faut quand même que je vous avoue un truc, je préfère que ce soit vous qui alliez sur le terrain que moi. Ouais. En tout cas, je vous donnerai les infos, ok? Si vous tenez à faire du mal au LMB, le tunnel du Queen, c'est l'endroit idéal. Oh merde. Ok. Les stocks sont limités, ramène-toi. Mm-hmm. Ouais, je vais regarder. Cran chargeur, ok. Bah pour l'instant, on n'a pas assez d'argent, mais ça m'a l'air de... Ouais, il y a des trucs sympas. Silencieux, cran chargeur, des trucs classiques qu'on connaît très bien. Ouais. Ok.
Donc par là. Merci, merci. Les gars, ils sont très sympas ici. Ils essayent de nous motiver, mais je vois que ça risque d'être chaud. L'aile technologique a connu des jours meilleurs. Ça, j'espère. Mais si vous arrivez à ramener Rhodes, il devrait pouvoir faire des miracles. Il était dans une SMP avant, je crois. Et il en sait plus qu'il ne laisse paraître. Je pense qu'il nous sera très utile. Ça, c'est fait pour l'instant. Et donc là, on a déjà démarré les trucs qu'il faut, je pense, à peu près. Et puis, on va déjà s'arrêter là. Et j'espère que ça vous a plu pour l'instant. Donc, bah là, on a fait les 3 jours d'affilée pour voir un peu si ça nous plaît. Moi, pour l'instant, ça me plaît très très bien. J'ai absolument envie de voir la suite. J'espère que vous aussi. Dites-le moi dans les commentaires. Ceci est une annonce des services d'urgence. En raison d'un manque de personnel, les horaires d'accueil habituels de la clinique ne peuvent être rétablis pour l'instant. Merci pour votre patience. Ouais, bon, ça, je savais déjà. Et puis, bah, comme dit, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez voir une suite de The Division. Et puis, si oui, je pense que bah, on va faire une, voire jusqu'à 3, on verra, d'épisodes par semaine à partir de la semaine prochaine. Mais ça dépend de vous, comme d'habitude. Donc, je compte sur vous dans les commentaires si vous voulez voir une suite ou pas. Et puis, de toute façon, la semaine prochaine, déjà... Aujourd'hui, à 18h, on se retrouve pour du GTA à la Via Los Santos. Et puis, la semaine prochaine, il y aura du Heavy Rain, du Need for Speed, du Rainbow Six Siege. Et puis, bah, éventuellement aussi The Division, si vous voulez voir la suite. Donc, sur ce, salut Jean, et à très bientôt pour la suite. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pourrais pas vous accompagner, enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en ferai un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain. Je me suis entraînée toute ma vie pour vivre ce genre de situation. Bon, ça se voit. Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit, pour pas être perturbés le jour où on nous active. Eh ben, j'ai obéi. Et ça a pas marché. Je me sens impliquée. C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre. Écoutez, il faudrait que... Oui, je sais. Je sais. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner. Bon, Phaelo, ça se voit qu'elle est quand même très très motivée. Voilà, mais maintenant, finalement, enfin, on va s'arrêter là. Et puis on se retrouvera donc très vite pour la suite. Donc salut, Jean.